Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire en fait un truc un petit peu particulier. Je sais pas du tout comment appeler cette vidéo, même à l'heure où je filme là je ne sais absolument pas comment elle va s'appeler parce que je vais vous parler de plusieurs choses, donc de ma catégorie de Noël, mais surtout, enfin ça j'y reviendrai après, mais surtout en fait de mes 5 youtubeuses du moment. En fait, ce sont des filles que je suis depuis assez longtemps et d'autres que je viens de découvrir et dont j'adore leurs vidéos, vraiment. Elles font des choses vachement originales où j'aime vraiment leur façon de parler, leur façon de penser, où je me reconnais vraiment dans leurs vidéos. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire partager ces 5 youtubeuses que j'adore. Donc la première c'est Ursula de la chaîne Beautiful Naturel, donc je vous mettrai bien sûr tout ce qui la concerne en barre d'informations, donc le lien de sa chaîne, le lien de son blog. Et c'est vraiment une fille que j'ai découverte il y a peu de temps, ça doit faire un mois que je la suis à peu près, je l'ai découverte sur la chaîne de The Coco Doll, donc Shirley qui est aussi une youtubeuse que j'adore. Et donc Ursula, j'adore son style, je trouve qu'elle fait des montages mais parfaits. En fait je trouve que sa chaîne est vraiment classe et j'adore sa façon de s'habiller et tout ça. Elle fait des pas mal de... Enfin, par exemple il n'y a pas longtemps elle a sorti une vidéo avec ses tenues d'automne et tout ça, et je me suis totalement retrouvée dans sa façon de s'habiller et tout ça, dans son style. Donc c'est vraiment une fille, je prends énormément de plaisir à regarder ses vidéos, j'ai vraiment hâte à chaque fois d'attendre qu'elle sorte. Donc elle sort 2 vidéos par semaine. En fait voilà, ce que j'aime vraiment sur sa chaîne, c'est qu'elle fait des vidéos qui sont, je trouve, très professionnelles et tout ça, mais en même temps ça se voit qu'elle ne se prend pas la tête ni rien, et enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup son style et beaucoup sa façon de parler. Donc la deuxième youtubeuse dont je voulais vous parler, c'est Ariana de la chaîne Ariana Ace. Donc elle m'a mis dans son Share the Love il y a quelques semaines, parce que je sais pas trop quand je vais poster cette vidéo, et ça m'a fait beaucoup plaisir, enfin vraiment très très plaisir, parce que tout simplement j'adore son univers, donc c'est quelque chose d'assez différent du mien si on peut dire. En fait elle est surtout dans l'univers pin-up, rétro, et ça lui va tellement bien, donc je la suis sur tous ses réseaux sociaux, je commente très régulièrement ses vidéos, donc je la suis depuis maintenant quelques mois. On a commencé à peu près en même temps en fait, c'est ça qui fait que ça me fait aussi plaisir de la mettre dans mes youtubeuses du moment, c'est parce qu'en fait on a commencé vraiment ensemble et ça se voit que c'est vraiment une fille qui se prend pas la tête. Donc elle fait vraiment des vidéos différentes parce qu'elle a un style différent, un style qui lui va tellement bien, et enfin voilà, donc j'adore vraiment ses vidéos. Je vous mettrai tout ce qui la concerne en barre d'informations. Donc maintenant elle a ouvert un blog où elle met des tenues, donc tous les mercredis, et voilà, c'est pareil, ces tenues elles sont vraiment super jolies, c'est vraiment pas quelque chose que moi je porterais, mais c'est quelque chose qui lui va tellement bien que ça m'a appris en fait à découvrir vraiment cet univers là, et j'en suis vraiment très contente. Donc ensuite la troisième youtubeuse dont je voulais vous parler, c'était Elisa de la chaîne La Classe au Féminin. Donc c'est une fille qui a en fait le même âge que moi et qui a commencé les vidéos il y a un petit peu plus longtemps que moi quand même. Donc elle a aussi beaucoup plus d'abonnés que moi, donc elle aura bientôt 20 000 abonnés. Donc voilà, félicitations ma belle, franchement tu les mérites amplement. Et voilà, vraiment j'adore ses vidéos, j'adore ses montages, et là où je me retrouve vraiment dans ses vidéos c'est dans ses Getting Ready, donc elle en fait très régulièrement. Et si vous me suivez et tout ça, vous savez que moi aussi j'adore faire des Getting Ready, c'est vraiment mes vidéos préférées à tourner et même à regarder, j'adore faire le montage de ce genre de vidéos. Donc voilà, je me retrouve vraiment dans ses vidéos à elle. En fait je trouve qu'elle a un univers assez cocooning comme j'aime. J'adore son style et tout ça, et je la trouve vraiment très naturelle. J'attends à chaque fois ses vidéos avec grande impatience, et ce qui est très agréable aussi c'est qu'elle a quand même beaucoup plus d'abonnés que moi, mais quand on lui laisse un commentaire elle prend toujours le temps de nous répondre. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que je sais qu'on a beaucoup d'abonnés, on ne peut pas forcément répondre à tout le monde, mais voilà, ça fait toujours plaisir quand on laisse un commentaire de recevoir une réponse en retour, quelque chose d'assez personnel, tu vois que c'est pas juste merci, voilà, enfin voilà. Je sais pas si vous comprenez en fait ce que je veux dire, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'adore regarder sur YouTube et je suis très contente de m'être abonnée à sa chaîne. Donc
la quatrième youtubeuse que je voudrais vous présenter, et je m'excuse d'avance si je ne prononce mal ton pseudo. Donc c'est Juliette de la chaîne Natural The Time. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Je vous mettrai tout en barre d'informations comme je vais faire pour toutes les filles. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment une chaîne et une fille qui est vraiment à part, parce que tout simplement j'ai regardé une vidéo, je me suis directement abonnée parce qu'elle est vraiment super marrante. Elle est vraiment drôle. Je trouve qu'en fait elle est vachement naturelle dans ses vidéos, et je trouve que c'est ce qui se perd sur YouTube. Donc vraiment elle est au top. J'adore vraiment ses vidéos, j'adore son univers. Elle a fait des vlogs il y a pas longtemps, là, deux vlogs qu'elle a sorti peut-être, je sais plus, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Et j'ai adoré les regarder, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ses vlogs. On a à peu près le même nombre d'abonnés il me semble. Et donc voilà, ça fait aussi plaisir de voir des... Enfin, qu'on n'est pas tout seul à avoir peu d'abonnés au final dans ce grand univers YouTube. Et voilà, vraiment allez découvrir sa chaîne, je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Elle est vraiment super marrante, elle a un style bien à elle. Et vraiment c'est quelque chose qui se perd sur YouTube, c'est vraiment les gens qui sont... En fait, on voit qu'ils sont honnêtes et qu'ils veulent vraiment nous faire partager quelque chose. Donc c'est vraiment le cas avec elle. J'espère que vous serez du même avis que moi. Donc voilà la dernière youtubeuse dont je voulais vous parler. C'est Catherine de la chaîne Girly Addict. Donc c'est une québécoise qui a beaucoup d'abonnés. Elle a entre 50 000 et 60 000 abonnés, il me semble. Et voilà, j'adore vraiment ses vidéos. Et je trouve que ça fait vraiment partie des filles qui méritent d'avoir mes... 100 000, 200 000 abonnés. Elle fait des vidéos régulièrement, alors qu'à côté elle a, enfin comme un peu tout le monde, mais voilà, elle a quand même une vie qui est bien occupée, elle travaille, elle va aussi à l'école et tout ça. Et donc voilà, j'adore vraiment ses vidéos, elles sont très régulières. Elle fait des vlogs extra avec son copain qui me fait vraiment trop rire. Donc voilà, tous les deux ils vont vraiment super bien ensemble. Je trouve en fait que ses vidéos sont vraiment variées. Il y a beaucoup de looks, d'idées de looks, de choses comme ça, et de choses vraiment du quotidien. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'adore regarder, et c'est vraiment, je pense, la youtubeuse dans laquelle je me retrouve le plus, parce qu'elle est vachement... En fait, je ne saurais pas trop comment vous dire. Franchement, allez voir sa chaîne pour comprendre. Mais elle est vachement... Enfin, ça se voit qu'on est vraiment ses amis, si on peut dire. Et elle arrive vraiment à bien communiquer ce qu'elle veut faire passer. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne que j'adore. Et je dirais même que c'est une de mes youtubeuses favorites. Donc voilà, c'est tout pour les youtubeuses que je voulais vous présenter. Donc voilà, il y en a... Ça, c'est 5 parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment les 5 qui, en ce moment, j'apprécie beaucoup. Donc il y en a des connus, des moins connus. Mais vraiment, le nombre d'abonnés ne fait pas tout. Et ça, bien heureusement... Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir certaines chaînes. Toutes les filles dont j'ai parlé, je vous fais à toutes de très gros bisous. Surtout n'arrêtez pas vos vidéos, parce que moi j'adore les regarder. Et donc voilà. Ensuite, pour la deuxième partie de la vidéo, je voulais vous parler un petit peu du planning de mes vidéos pour Noël. Donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps j'ai essayé de sortir une vidéo tous les samedis. Et en fait j'ai écrit sur un bout de papier vraiment quelque chose, enfin une liste des vidéos que je voulais faire pour Noël. Et j'écrivais, et à un moment je me suis dit, mais Lucie, il n'y a que 4 samedis en décembre, donc ça va pas être possible de tout faire. Donc j'ai décidé de faire 2 vidéos en septembre, dans la mesure du possible. Donc si je loupe un mercredi, donc ce sera le mercredi et le samedi, si je loupe un mercredi, ben tant pis, mais c'est sûr qu'il y aura des vidéos le samedi. Et donc voilà, j'espère... le mercredi également. Donc j'ai tellement d'idées pour Noël, j'ai vraiment trop hâte. Autant j'ai aucune idée pour les vidéos du mois de novembre, autant pour décembre et janvier, mais j'aurai jamais assez de jours pour faire autant, enfin toutes les vidéos que j'ai dans ma tête. Donc je prévois un tag, de getting ready, un concours, quoi d'autre, je me souviens plus alors que j'en ai plein, une idée cadeau de Noël. Enfin voilà, en tout j'ai 8 ou 9 vidéos, donc voilà, des choses vraiment que j'ai tellement hâte de faire. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, parce que c'est vraiment ma période de l'année préférée, je veux vraiment vous le faire partager avec vous. Donc n'hésitez pas vous à me dire en fait en commentaire
vos youtubeuses favorites du moment. N'hésitez pas à me faire découvrir si vous avez vraiment quelqu'un que vous adorez en ce moment, ou si même vous-même vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir d'aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc j'ai une page Facebook qui est Vintage Jeans Bag Chanel, donc ce n'est pas très original. Et j'ai également une adresse mail où vous pouvez m'envoyer des mails du coup. Merci beaucoup à celles qui le font, ça me fait très plaisir de discuter avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu quand mes vidéos sortent et tout ça. J'essaie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez apprécié ce genre de vidéo où je parle vraiment comme ça. Et dans ce cas-là, j'en ferai un petit peu plus. Je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt.